Wesh les potes, bien quoi? Vous habitez dans le coin quoi, les potes? Moi je vais très très bien, un peu fatigué comme d'habitude. Les potes aussi, avant de commencer la vidéo, les potes, c'est pour vous prévenir. Normalement, mes vidéos vlog, ils sortent à 10h10. Et là, à cause de la connexion, il va sortir un peu en retard. Je sais pas, je pense vers 14h, 15h, à partir d'aujourd'hui. Voilà, ça veut dire le vlog d'hier, là, les potes. Vous l'avez vu, mais il est sorti l'après-midi. Voilà, c'est pour vous prévenir. Et voilà, j'espère que vous allez bien, voilà, très très bien, moi en tout cas, jour 8, voilà, vlog hashtag 8, ça fait totalement plaisir les potes, avec le reveton sûr qui est derrière. Voilà, les potes, je viens de me réveiller, on va direct prendre le petit déj, tout ça, on va faire des activités, je sais toujours pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va voir ce qu'on peut faire, et si on n'a pas d'activité, on va faire des dingueries comme d'habitude. Et voilà. Bon bah les potes, c'est parti, on va prendre le petit test. Encore une fois, désolé pour les yeux qu'on fait, le soleil sur les yeux, ça fait totalement plaisir. Voilà, regardez, petit banana, après napolitaine, voilà, c'est ça? Ouais. Un peu, voilà. Et après les potes, des granolas, là. Je suis le boss, j'ai bien dit là. Et voilà, on a que ça veut dire, c'est parti, on va bien manger. Et voilà, il est quand même 11h30, voilà je pense, et voilà. On a que ça à vous dire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, petit? Le repos au chute détente. Ça c'est bien ça. Et aussi les potes, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé la vidéo d'hier où il y avait le sanglier, où on a trouvé un sanglier. Bon, les potes, c'est maintenant, je me suis rendu compte, en fait dans la vidéo on voit pas très très bien. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que je l'ai entouré, voilà. Et voilà, ça va être carré. Hein. Et aussi les potes, dites-moi, c'est quoi votre fruit préféré? Moi c'est banane. C'est quoi? Framboise et les litchis. Ah, t'en profites le fruit. Ça dans la vie les potes, c'est toujours bon ça. Je sais pas pourquoi, c'est toujours bon. Petite musique. À moi. Voilà le dégât, les miettes, le banane tout fichu qui est mort. Voilà, regardez, napolitaine, il n'y a rien du tout. Biscuit, il n'y a rien du tout. Bon, les potes, on est où? Les potes, on est devant la villa avec un iced tea frais et coca fraîche. Il y a quoi dans ta main là, poteau? Tu peux savoir? Eh, les potes, il y a du melon ici. Ah, bah encore le melon, ça veut dire? Sur la mamie qui bronze. Bronze et la piscine avant où il n'y avait personne là hier. Voilà, on a que ça veut dire, les potes. C'est parti. Moi, je vous dis, c'est parti, on y va. Bah, en fait, on fait toujours la même chose, les potes, mais vas-y, c'est carré. C'est carré, après, vous, plaire, ça vous. Bah oui, j'espère qu'on va pas se faire courser, sinon c'est. Sinon c'est poteau. C'est foutu les potes. Bon bah voilà, on a que ça vous dire les potes, c'est parti. On va aller bombarder les gens. C'est parti les potes. Les potes, il y a encore la mamie qui est en train de bronzer, on peut lui faire sa melon. On t'a dit notre coup. Oh non, se lever poteau. En fait, ça a touché bien sa main et après c'est réveillé. Bon bah les potes, voilà, c'est exactement ici qu'on a vu le sanglier vers ici, voilà. Et c'était vraiment vénère. Et là, il a couru vers ici où il est derrière. Je sais pas où, il est en train de dormir en tout cas. Maintenant, devant nous, il y a le piscine. Il y a la piscine. Parti, on va jeter. Attends, je pose le coca. Attends. Il y a personne. J'ai trop le seum. On va revenir plus tard, les potes. On va revenir après peut-être. Peut-être ils seront après là. Les potes. Il y a une maison. Et il y a une maison où il y a des petits. Bon, les potes, on a cru qu'on l'a touché, mais ils se sont barrés totalement. Mais on va trouver d'autres trucs, les potes, pour jeter alors. Il y a des canettes aussi, alors bon. Certains pensaient qu'on pollue, mais les potes, à la place de mettre à la poubelle, bon, on met sur les chez des gens. Ça, mais, ça, ça, mais, ça, mais ça, ça, les potes, en plus, c'est biodégradable, alors ça c'est pas polluable, ça, c'est en. Bah oui, voilà. Je suis un vrai bébé. Attends. Oh, oh, il y a partout, poteau. Les potes, c'est parti. Je t'y prends. Et voilà. Petit cadeau. Cadeau. Attends, déjà, on va aller voir où est-ce que ça mène. Les potes, on a trouvé un plan, si ça part vraiment en cacahuète, même si ça part en cacahuète, on va aller là-bas, voilà, pour se barrer, voilà.
Parce que là, il va vraiment jeter un melon sur quelqu'un. Il est vraiment vénère. Attends. Il était en bas. Qu'est-ce que tu fais, pote? Il était en bas. Moi, je m'en fous, les potes. Je reste ici. Hein. Je crois que... Je pense que c'est sûr, il va... Et qu'il vient. Bon, les potes, on est carrément dans les bois, regardez. Non, je barre par ici, merci, j'arrive. Faut monter. Hein. Attends, t'as joué, mais toi. C'est qui? Coucou. Je suis mort. Je vois aussi, ça va. Comment? Youtuber, yes. Bye bye. Bon les potes, on a encore croisé des abonnés. Là je crois qu'ils voulaient aussi nous pécho les potes. Parce qu'on est trop beau aussi. Alors. Ouais, on est trop beau alors ils voulaient nous pécho. Bon, à part ça les potes, ils étaient grave sympas. Et je pense qu'ils voulaient faire une photo parce qu'il y avait quand même 5-4 personnes. Ouais, 5 ou ouais, c'est beaucoup quand même, ça faisait plaisir. On a encore croisé des personnes, hein. Ça fait du bien. Et voilà, ça fait plaisir en vrai de croiser des abonnés. Les potes, regardez ça, vous voyez cette voiture? C'est un de mes préférés voitures, c'est vraiment Tar Lewandowski. Comme Inox, il dit RS6 à tonton, les potes. Et ça, les potes, regarde, c'est quoi ça? C'est un speedrunner, un wave runner à tonton. À tonton. Il faut pas oublier le mot tonton. La voiture, le plat qui sera flouté, parce qu'après non plus, ils font non plus aviser, parce que sinon, vous allez trouver le voiture RS6 à tonton et ça va pas être après nous. Ah, je suis totalement posé, les potes le prank a marché, hein, sans te mentir. T'es bien? Très très bien les potes. Sans vous mentir, c'est pas vraiment un prank, hein. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit, ah vous savez quoi, on va lancer un original et j'ai lancé. C'est pas vraiment un prank, mais voilà, les pranks ils vont bientôt arriver et ça va être vraiment extrême. Voilà, ça, je vous préviens, après pas plus. Lui aussi ça va être extrême, c'est sûr. Bon voilà, j'ai que ça vous allez pas. Après demain aussi, une petite dinguerie lundi qui va venir. Non, voilà, lundi, petite dinguerie, on va pas vous spoiler. Pour vous c'est mardi, mais petit indice. Petit indice c'est de l'eau. Voilà. Ouais, lundi c'est haut les potes. C'est haut, voilà, c'est le petit indice, j'espère que ça vous aura plu. Bon bah on sait vraiment pas quoi faire. Et voilà. Hein. Les potes, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant les potes? Ça va être... Non. On me dit pas qu'il va encore faire... Non mais gros. Me dis pas que tu vas faire une dinguerie, non. Dis pas que t'es là-dedans. Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu peux me passer un croquet? Qu'est-ce que tu fais là-dedans gros? Tu vas poteau. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, poteau? Salut! Poteau, t'as des chips, tout ça? T'en veux? Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu veux que je t'en passe? Je pense que tu galères un peu dans la vie, non? Mec, qu'est-ce que t'as eu? Pourquoi tu fais ça, poteau? Tiens, poteau, un peu de chips. Merci. Vous allez bien ou pas, les potes? J'étais en train de manger. Mais mec, t'es pas obligé de te cacher, gros! T'es pas obligé de te cacher! Mais quoi là? Restez zen, poteau. Je vais vraiment rester calme. Oh, dans la surface, il y a une faute et il n'y a pas faute, hein. Mais comme par hasard. Il tacle bien, putain, il va dans les tribunes en faisant son tacle, c'est comment? Allez. Putain, fais une belle tête. Ça pique pas. Même moi, je la mets, cette tête-là, quoi. Allez. Du Maria, du Maria, du Maria. Jouer, du Maria. Vas-y, carton jaune, qu'est-ce que t'as? Y'a rien. Voilà, alors là, s'il marque, vraiment, s'il marque, bon, je vais romper ta table. C'est bon, c'est moi qui l'ai. Dans les bras du gardien, dans les bras du boss, on peut dire aussi, ça passe. Cristiano, je te tacle! Voilà, bien joué. Mais y'a rien! Les potes, ça fait 10 minutes qu'ils commencent à péter un plan, les potes, c'est pour ça que je commence à filmer, parce que s'ils pètent un plan. Voilà, Cavani! Respire, poteau. C'était zing. En plus, c'est le tournoi à l'hypoto, alors comment on veut dire? C'est vénère. T'avais les buts ouverts, espèce de... Y'a pas hors-jeu, hein? Mais comment ça, y'a hors-jeu? Putain, 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 putain,
Calme-toi. Les potes, il a fait. Il y a hors jeu. Pourquoi je l'ai acheté ce jeu? Pourquoi je l'ai acheté? Comment ça chier? Bon bah, les potes, on est clairement dehors. Regardez, il est quelle heure? Les potes, il est 22h51. Voilà, 22h51. Et les potes, on y va. Carrément dehors. On va aller voir, les potes. Ça fait vraiment flipper, hein. Là, on a vraiment que ça à vous dire si on se fait attaquer par un loup-garou ou je sais pas quoi, les potes. Déjà que vous, avec la lumière, vous voyez pas. Alors là, alors comment... Nous, les potes, on peut vous dire que c'est vraiment... Vous voyez cette route, là. Là, là, là. Total. On n'y voit que dalle, en fait. Voilà. Les potes, ça... Oh putain, bon, c'est bon, ça fait peur, gros. Mec, ça... la lumière, gros, elle s'éteint toute seule. Bon, bah, la lumière, il s'éteint toute seule, c'est un peu flippant, on va se barrer. Ça fait vraiment peur, ça, les potes. On va vraiment aller à la classe. On va rentrer parce que là, vraiment, les potes, c'est vraiment flippant. En plus, là-bas, gros, t'imagines, tu vas là-dedans? Mais wesh, mais gros, on pourrait vivre que s'éteindre. Bon, toi, ça fait vraiment peur, hein. Bon, bah, je pense qu'il y a plus de charge pour la lumière, c'est tout ça. Les potes, tu vois, mais c'est. Mais wesh. C'est vraiment flippant, attends, je cours. On court, Y'a des bombes. Ça fait peur, hein. La lumière, c'est un pays, on est arrivé. Regardez les potes, ça c'est le vrai lumière, on voit rien du tout. Les potes, on voit rien. Ça fait vraiment peur, on était vraiment. En plus, il y a le vent vraiment beaucoup. Bon ben voilà les potes, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. C'est déjà, je m'excuse vraiment parce que la vidéo il fait 10 ou 11 minutes, je sais pas combien de minutes. On savait pas quoi faire, c'est pour ça que voilà, ça fait 10, 11 minutes, voilà. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu parce qu'on a fait quand même des dingueries. Mais ne vous inquiétez pas, les potes, mardi, ça va être pour nous, ça va être lundi, mais pour vous, ça va être mardi. Nouvelle vidéo très très spéciale. Là ça va être, c'est totalement une dinguerie. Là je sais pas quoi dire. Voilà, j'ai que ça vous allez pas. J'espère que la vidéo vlog hashtag 8 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous dis à plus pour des prochaines vidéos les amis. Ciao les amis.